truc très spécial chez moi, c'est le problème de la durée. La durée d'un film, la durée d'une pièce de théâtre, la durée d'une pièce de musique, ça m'a toujours énormément intéressé, cette histoire du temps, en contrepartie avec le côté du temps qu'on prend pour contempler un tableau. C'est d'autres sortes de temps. Et donc, en puisant et en montrant vraiment précisément le cinéma, c'est toujours un peu pointé cette idée du temps. Alors c'est pour ça que le cinéma est si important dans mon parcours de peintre. Il y a deux sortes de temps, parce que tu pourrais aussi dire, tu as le temps du travail du tableau, qui est un temps qui est aussi très indéterminé pour celui qui le regarde après, mais pour le temps du travail, de la mise de couche sur couche d'une peinture, ça peut parfois durer des années chez nous. Donc il y a déjà ce temps-là. Et puis le temps du quotidien, le temps d'un fait divers, alors le temps qu'on décortiquage d'une idée, d'un concept ou de quelque chose qui vous happe, quoi. D'accord. Alors c'est ce temps-là, alors c'est pour moi ces deux sortes de temps, c'est que je tricote ensemble. Par exemple, il y a toujours des règles du jeu, notamment dans les suicides. C'est aussi des faits divers qui me donnent des idées, naturellement. La radio, enfin, toutes sortes de sources, mais aussi le cinéma, d'ailleurs. Bien sûr. Ou l'histoire de l'art, d'ailleurs. Bref. Et ça, c'est un cercle bien précis où le temps n'est pas calculé au sens pareil que les autos dans la nuit ou les Balls and Tunnels, qui sont, par exemple, le tableau qui est derrière moi, est un tableau que je fais qu'une seule fois par an. Donc c'est autre chose que les suicides que je fais à tout moment, depuis 2003. Et par exemple, les tableaux abstraits, qu'on pourrait dire abstraits, mais c'est un faux nom, je dirais, des tableaux réalisés à l'aide de hasard, enfin, avec l'aide de moins de décisions que les tableaux de la série des suicides ou des brûleurs Grimm ou ce que tu veux ou d'autres, c'est vraiment un tableau que j'ai décidé de faire une fois par an. Et pourquoi une fois par an? Ben à cause de ce fameux temps. As-tu un regard sur un regard peut-être décalé sur la culture allemande? Oui, probablement. Parce que je ne suis pas du tout. En fait, je me sens d'abord une grande européenne. Hein. Alors, il n'y a pas vraiment de et une exilée depuis toujours. Enfin, c'est-à-dire, je suis nulle part ou partout. Voilà, c'est un peu bête de dire ça. Mais par contre, je crois que je suis extrêmement une éponge des cultures que je traverse. Mais ça peut être aussi rapidement au Japon, il y a quelques temps, ou alors aux États-Unis. Bon, il s'avère que maintenant, j'ai décidé d'habiter Berlin, et c'est clair que cette culture est présente. Mais Berlin n'est pas l'Allemagne, il faut préciser, hein, quand même. Il y a quand même une grande nuance. Et que c'est un endroit où la peinture est un médium qui est extrêmement pratiqué d'une manière extrêmement libre et sans barrière. Sans entrave. Qui fut le cas, peut-être que les choses ont évolué depuis, qui fut le cas pour moi, en tout cas dans mon expérience personnelle, compliqué pour moi en France de pouvoir développer le travail que je développe depuis que j'habite à Berlin, ce qui m'aurait été très difficile à développer en France. C'est quand même, chez moi, la notion de spectacle, de théâtralité, dans les grandes scéneries figuratives, est très importante. Je travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est aussi avec un peu d'ironie, d'accord, notamment avec les personnages des majorettes. C'est aussi les femmes groupées, soldates pour les hommes, pour les yeux des hommes, d'un côté. Et puis à la fois, c'est un clin d'œil aussi aux dames, si on pouvait être toutes beaucoup plus ensemble, ça irait. Un petit clin d'œil de solidarité. Oui, très fort. D'accord. Tu peux me parler du tableau qui est derrière toi, un petit oui. peu, concernant... Bah ouais. Alors, ça c'est un des derniers tableaux de la série du troisième frère Grimm. Mm-hmm. Alors, le troisième frère Grimm, c'était une manière, avec ce titre générique de cette série, d'évoquer la notion de conte, de fées, de récit, et de tableau narratif, donc ce qui pouvait faire un peu hérisser le poil, mais c'était vraiment de ces choses-là dont il s'agissait. Dont il s'agissait dans cette série de tableaux. Donc c'était toujours des grands paysages, avec des ritournelles de personnages qui apparaissaient toujours, c'est-à-dire une poupée de cheval qui avait des jambes humaines, une sorte de centaure inversée, hybride,
Et le dernier tableau, on ne voyait que la tête du cheval qui avait donc explosé dans les tableaux précédents. D'accord. Et on voit cette dame au gant jaune. Ce gant jaune qui est une espèce de symbole qui traverse mon travail depuis nombreuses années, donc qui intervient à la fois dans, porté par des êtres, parce que je préfère appeler ça être, parce qu'il y a parfois un faune qui porte ce gant jaune, parfois c'est une dame, et parfois ce gant jaune est utilisé comme empêchement de travail pour un lègue. Oui, alors ce n'est pas vraiment une illustration d'un conte précis. C'est simplement par ce titre de donner à réfléchir, de dire au spectateur, ou à moi en tout cas, on va réfléchir sur la notion de narration. Mmh. Et le conte, c'est assez beau, parce que ce sont des histoires extrêmement violentes, très réduites, c'est très conceptuel. Il y a toujours un méchant, un bon. Bon, ça on est dans le cinéma de nouveau, hein, ou dans toutes les histoires, ou dans tous les romans du monde. Mais il y a souvent aussi la notion initiatique. On passe d'une étape X, Y et Z, et ensuite à la fin, ça se termine bien ou mal, parce que les frères Grimm, c'est pas forcément toujours happy end. Hein. Non, bien sûr. On les a beaucoup expurgés, mais bon. C'est des contes qui sont quand même assez durs, je trouve. Ouais. 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 Oui, et puis en fait, quand on prend le cinéma de nouveau comme modèle, par exemple, toute la série des Star Wars, que j'adore, c'est une sorte de conte initiatique. Et j'imagine que Lucas s'est beaucoup inspiré des récits mythologiques jusqu'aux contes nordiques. On peut penser à Ibsen, pour certaines images, bien sûr, transposées dans l'univers, hein, on est dans les galaxies. Et Ibsen, c'était vraiment sur la Terre. Mais enfin, bref, si on arrive un petit peu à extrapoler, c'est ça que j'adore. Et j'aimerais proposer avec mon travail aussi un accès à un monde imaginaire en utilisant des personnages tels que le centaure, le faune, qui viennent des peintures mythologiques anciennes, hein, comme Rubens en faisait, mais aussi des peintres mineurs et parfois des tableaux assez irregardables aujourd'hui, et de les réactiver. Voilà. Ou d'inventer des chimères, comme la lapine univers, ou comme des espèces de chevaux à jambes humaines, enfin, qui n'ont là pas lieu d'être, qui n'ont aucun rapport avec l'histoire de l'art. D'accord, ouais, qui partent de référents. Pour aboutir à de nouvelles mythologies. Mythologie. Alors ça paraît un peu prétentieux parce que c'est loin de moi l'idée d'être à la comparaison avec les réalisateurs et les penseurs des films tels que Star Wars et toutes ces grosses machineries hollywoodiennes. Mais j'aimerais bien convoquer avec ma peinture quand même une certaine idée de l'imaginaire, une certaine idée du rêve et puis des historiettes. Et puis voilà, bien sûr, la grande histoire c'est quand je l'ai peint. C'est clair que pour moi c'est génial parce que c'est physique, enfin je vis des moments sublimes en y travaillant. Mais j'espère aussi que ce ne soit pas si égoïste que ça et que le spectateur ait aussi un certain plaisir à les regarder parce que la peinture c'est pas l'image. Bon là je te parle depuis une demi-heure que sur le côté de l'imagerie. Oui, oui. Mais la peinture c'est le médium. C'est le médium, bien c'est sûr. C'est ça, hein. C'est ça qui est fascinant.